Salut Tom. Ah, c'est bien passé. Salut les gars. Ah, tiens Bruno. Ça roule ? Ça va Bruno ? Et vous, bonne route ? Ouais, impeccable. Super. Bah les conditions sont pas trop mal, il y a du vent, un peu de pluie, ouais, normalement ça devrait pêcher. Là aujourd'hui, heureusement qu'on a fait confiance à Bruno. Hein. Bruno, il a géré ses dérives. Donc ouais. Donc il nous a emmené dans son poste. Donc ce poste qu'on connaissait pas. Hein. Non. Belle découverte. Ouais. T'es pas gagné. Peu d'activité. Évident. Bon en tout cas, ça a été difficile sur, jusqu'à 11h on va dire. Et après, à ce moment-là, ouais. 50 cm d'eau, le lancer parfait, sur la berge. Et puis là, le stop tout tant attendu. Je crois que c'est lourd. Et je me rends compte que j'ai le poisson de ma vie au bout de la canne. Oh là là. C'est vrai que c'était un beau poisson. Je me rends compte que j'ai pulvérisé mon 1m04 de l'année passée. 1m14. 1m14 de muscle. C'est vrai qu'il était beau, hein. Bien proportionné, un beau poisson. Un beau poisson de lac, quoi. Magnifique. Yes! Ah là, c'est joli. Là, c'est regarde joli. Un peu ce poisson de l'espace. Là, c'est joli, Jean. Regarde-moi le dos, regarde-moi le dos. Ah, tu parlais de la 105, là on a que là on est oh putain 105. J'ai pulvérisé mon record. Ah bah là c'est clair. Ah là il mesure de suite. J'ai jeté mon rafale, j'ai fait quelques animations, ça a été assez rapide, mais là j'ai débuté un combat où je me suis pas vraiment rendu compte de la taille de ce poisson, mais c'est quand il est arrivé au bateau que j'ai vu que c'était vraiment du sérieux. Donc je venais donc quelques heures avant de faire le poisson de ma vie, 1m14 au Baby Buster, et là je réalise que le poisson que j'ai au bout de la canne est encore plus gros. Je le vois repartir en pleine santé et j'ai tout simplement passé un moment magique, un moment plein d'émotions, un moment qui restera gravé dans ma mémoire certainement toute ma vie. C'est vraiment des moments qu'un pêcheur peut comprendre. En tout cas, j'ai su savourer cet instant et puis même cette journée où on était vraiment une bonne équipe sur ce bateau, une bonne ambiance régnait. Et je crois qu'on a tous passé un bon moment ce jour-là. J'ai eu la chance de faire 3 poissons maîtrés. C'est dingue, c'est dingue. Belle journée. 108, 114, 121. Ah, que demande le peuple, quoi. Et une bonne ambiance. Et une putain de bonne ambiance. Et encore, je suis malade, je jure que dans d'autres conditions... Bien joué, Max. Putain, on l'a fait. On l'a fait. Ah, yes. Enfin, on l'a fait. C'était même inespéré. Tu m'étonnes. Super sortie. Ah, ouais. Génial. Alors, celle-là, elle restera dans les annales. Celle-là, elle va rester gravée un moment. Hein. Ah, ouais. 5 mètres au bateau, mon gars. 5 mètres au bateau. Et pas des vilains. 1 mètre. Dis-moi si je me trompe. C'était 1 mètre. 1 mètre. Vas-y. 1,02. Yes. 1,08. Ouais. 1,10. Ouais. 1,18. Voilà. Bim. Et le 97, vraiment des beaux poissons. Des beaux poissons, hein. Bien gras, franchement, bien puissants. On a eu le droit, à un super guidage, des super dérives. Ouais. La météo était avec nous.
Petite pluie fine, ouais. Vent soutenu. Vent soutenu, pluie fine, bonne couverture nuageuse. J'ai pas eu froid un seul moment, j'ai envie de dire, avec toutes les émotions ouais, qu'on avait. C'est clair. Pour avoir froid. Ah ouais, non, c'était génial. Franchement, c'était génial. Hein. Les poissons pas mal hein. Franchement ouais. Putain, la petite robe avec la petite couleur bleutée là, vraiment une belle robe ces poissons. Ah ouais, puis on a quand même touché des gros poissons hein. Là c'est la récompense ouais. Ah ouais, regarde moi ces couleurs ouais, mais ils sont, c'est dingue, c'est quoi, puis les chicots t'as vu comme ils sont là. Ouais ouais, regarde. La tronche, ça c'est des... Regardez-moi les dents. Puis la largeur surtout de la tête. Puis les opercules. Oh là, la le bleu, vache. Le bleu des opercules. C'est vraiment un super poisson quoi. Encore là, une fois. On est sur des dinosaures, voilà, du Jurassique. Et on les trouve que dans ce lac quoi. Ouais, carrément. T'as ouais, la taille de la tête. C'est pour ça qu'à chaque fois on... Un 8. Et ben voilà. Oh ben Dieu, et regardez-moi ça. Au pic, j'ai 15 cm.